On relance Outlast. C'est parti. Non, bon, jeu sans budget, ok, peut-être qu'il est très fun, mais je peux pas vous imposer ça en live. Je vais pas m'amuser avec ça, là. C'est-à-dire, j'y jouerai même pas. En fait, là, vu ce que je viens de voir, j'y jouerai même pas. Si enfin, j'y jouerai pas en. Enfin, que ce soit en live ou pas, quoi. Attendez, il faut que je capture. Outlast, qu'on va reprendre, et au moins. Je suis désolé, très mauvaise idée, hein. Mais j'avais, je sais pas. Ça me faisait envie. C'est parti. J'espère qu'on continue bien The Whistleblower. Je m'installe un peu mieux. C'est autre chose tout de suite. Ah, la jouabilité est fluide. Je vois mes pieds qui sont magnifiques. Ce cadavre est top. J'ai toujours ma caméra. Ah non, j'ai plus de caméra, c'est vrai. Enfin, si, j'en ai une normalement. Ah bah mince. Excusez-moi. Faut que je repasse en clavier français. Rake a foutu. Ah! Encore merci, je t'adore, Gus. Moi aussi. Est-ce que ce coup-ci, ça va marcher? Ah, mais j'ai plus de caméra. Je me souviens plus. Objectif. Aller à la radio dans la prison. Je m'en souviens. Ok. A priori, là, je vais pas me perdre, hein. C'est un escalier à descendre. Ah putain. Chapi chapeau, merci. Ouais, Outlast. C'est parti. Il est 21h48. On a perdu 48 minutes de notre vie ensemble. Mais c'est pas grave. Petite sauvegarde. Alors, ah là 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 là. On est dehors. On est dehors. Moi, ce qui me gêne, c'est que je ne vois pas. Regardez, assis dans l'angle gauche, juste en dessous de ma tête là. Là, on voit en face un petit peu. C'est intéressant. Ah bah oui, en fait, je suis dans une espèce de cour. Cerné. Ça s'ouvre. Cerné de grillage, enfin de. J'entends crier, j'entends courir. Oh là 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 là, et ça met dans l'ambiance directe, hein. C'est autre chose, hein, tout de suite. Je suis tendu dans les bras. Alors. J'ai entendu courir. Je sais pas si vous l'avez entendu vous aussi. J'ai pas de caméra, c'est fou ça. Je me souviens pas. Est-ce que vous vous souvenez? Le jeu va m'ennuyer, je le connais déjà par cœur, mais avec toi, ça devrait être plus drôle. Ça va être vachement rigolo. Pourquoi j'ai plus de caméra? Je me souviens plus de ça. Monsieur. Oh mon Dieu, il est mort. Je viens à peine de commencer, je suis déjà caché. Ça veut tout dire. Je sais pas si vous entendez cette petite note de violon continue là comme ça qui te fait monter la pression. Attendez, on va aller voir là-bas où j'ai ouvert avant de continuer par ici. Putain de bordel. C'est le malade, c'est celui avec son couteau électrique. Il est là, il a dû se rendre compte que j'étais parti. Est-ce qu'il va venir me chercher dehors? Ouais, forcément, c'est le nouveau Jerry, donc on lui a pas donné de petit nom d'ailleurs. Je sais pas s'il faut que j'avance par là. C'est fermé. Ah, ma caméra, mais je suis con! Ah, ça me revient. Mais oui, clic droit sur la souris. Clic droit. Et ça remonte à il y a 10 jours. 10 jours, 7 jours, enfin une bonne semaine le dernier live. Et si je mets en infrarouge.
J'aime pas cette brume. C'est... Hein? Merci McCarthy. Où est passée la poupée? Que n'est le ton et l'ambiance? Continuez comme ça. Alors, ok, je vais la chercher. Je vais chercher la poupée. Elle est là. Si je la mets là. Est-ce que vous la voyez? Gros bébé de retour. Ah la vache. Oh, je suis stressé. Le jeu m'a mis mal d'entrée là. Alors, j'en suis où? J'en suis où? J'ai dû faire 5 mètres, j'ai descendu des escaliers, j'ai marché sur 10 mètres dans une cour. Ça s'ouvre pas. J'entends courir, hein. ça me plaît pas du tout. J'entends courir. L'extérieur n'est pas extrêmement rassurant. Par expérience, quand vous vous retrouvez dans un lieu glauque, on se sent souvent beaucoup plus à l'abri à l'intérieur. Les murs, ça rassure. Ah, j'aime pas du tout là. Ah, je suis déjà pas bien des épaules et tout tendu. Calme-toi. Non, mais là, c'est... ça court à droite. Hein. Ah putain. Merci Plutonian Liu. Plutonian Liu. Oh la vache. Mais je suis pas tranquille, hein. C'est horrible. Ah, oh, purée. Qu'est-ce que je disais? Cette brume, en fait, tout peut arriver, quelque chose au dernier moment. Merci, TixRaptor. Bon live, Gus. T'arrives à me faire une dédicace. Benjamin de Suisse. Bah, merci à toi, Benjamin. Et bonjour à la Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que vous m'aviez fait un don ou un abonnement. J'ai cru que c'était un don ou un abonnement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Quelque chose ne veut pas que j'avance. Je suis tombé? Qu'est-ce qui s'est produit? J'entends des mouches. Oh putain, c'est chaud quand même. Excusez-moi, je suis grossier. J'entends courir, tache de sang. Je vais suivre le sang. Je fais le tour hein, parce que j'aimerais ne rien rater, ne pas oublier un dossier ou une indication. Je sais pas si c'est pas la chose. Ah voilà, une pile. J'ai vu une pile. Je ne veux pas rater de pile. Pile ramassée. Je sais pas si ce que j'entends courir, si c'est pas ça qui m'aurait attaqué. Est-ce que vous avez vu... Attendez, je stoppe un peu. Est-ce que vous avez vu ce qui m'est arrivé? Moi, j'ai pas compris. J'ai vu que tout d'un coup, j'avais le nez par terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il s'est passé tout à l'heure? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. J'entends pas les mouches. Ah, moi, je les entends. J'entends que ça.
Bad Barcode, c'est là qu'on entend. Bien, c'est bien, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est le Wall Rider. Bah, je pense aussi. Juste tombé. Tapis collé, je sais pas. Tu t'es pris une pêche, le Wall Rider, sûrement. Si je passe en nocturne, vous allez voir, on a les yeux pétés, hein, ça change pas grand-chose. Ok, c'est par là. Je regarde juste ici, il y avait une porte, elle est fermée, cadenassée. On va rusher un peu quand même. Les mouches, bah, je les ai pas rêvées, on les entend et on les voit. Elles sont là, agglutinées autour de ce tas de stade de membres de corps humain. Ah là là, le son. Ah, panique pas, snake moi, bisous, merci Meganhunt. Ouh, il y a quelqu'un dans cette forêt. Il se passe un truc. Oh, je sais pas si j'ai bien fait de me cacher. Je crois que j'ai... Ah, putain! On propose Bob Bobby, le boucher, dans le chat pour le mec. Super live. Ouais, bon, on va l'appeler Bobby. Bobby, Bobby Brown. Bob, ça me va très bien. Super live, super setup. Merci mille fois pour tout ça, Gus. Bah, merci à vous. Je reprends. Je sais pas si les deux gars m'auraient pas trucidé s'ils m'avaient... Si m'étaient tombés dessus. Moi aussi, je vais me faire peur. Kappa. Merci beaucoup, Shunryu-sama. Je vais longer les murs. Alors là, on a un escalier. Si les mecs reviennent en courant... Je vais aller d'arbre en arbre en rampant. C'est horrible. Il y a un son bizarre par là. Ok, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, regardez. Il y en a un qui surveille, derrière, à la guet, comme si quelque chose d'extrêmement violent et de dangereux. Ils ont pas peur de moi, quand même. Je suis pas violent et dangereux. Ils ont peur, et l'un d'entre eux... Qu'est-ce qu'il fait? Il voudrait pouvoir sortir. Oh là 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 là, à mon avis, ils ont fait une mauvaise rencontre. Je mériterais que je m'approche et que je fasse bouh. Mais je peux pas. Alors... Continuons notre visite des lieux. Les murs, ça rassure. Lol. C'est vrai que c'est peut-être la plus grosse connerie que j'ai dite à ce jour. Enfin, parmi les grosses conneries que j'ai pu dire. Ah, tout à fait désolé pour Reik tout à l'heure. Mon dieu, mais quelle horreur. Alors, escalier, possibilité de monter à droite, à gauche. Ah, bon, alors, on va se mettre d'accord. Petite pause, s'il vous plaît. Continue son super boulot, Gus. Autant sur Twitch que sur CDF. Bon stream et bon courage. Merci beaucoup, petit toi. Je suis en nage, là. Je suis en sueur. Donc là, c'est bel et bien... Ah, peut-être pas. Non, c'est bel et bien fermé. Alors là, je peux passer. On revient vers les bâtiments. Autant vous dire que là, je le sens moyen. Quoi? Quelqu'un a parlé. Je ne vois personne.
C'est quoi ce délire là? J'y vais tranquille. J'ai rage quitte le jeu. Attendez. Non, c'est bon. Oh. Bon. Pff, attendez. Là. Oh putain. Oh la vache. Ah merci. Mais merci pour les sensations et les émotions. C'est énorme. Vous me faites rêver là. Oh, putain. Et j'ai de la buée sur les lunettes. C'est des gros délires ce soir. J'ai de la buée sur les lunettes. Mais vous êtes vicieux. J'ai même pas eu le temps de savoir qui avait fait ça. Quel est ton nom, je n'en sais rien. Quel était ton message? J'en suis désolé. Merci beaucoup. Je suis en PLS, là, c'est clair. Oh là là. Ah, pardon. J'ai le nez qui coule, je suis en nage. C'est la totale. Bravo. Ce soir, c'est la totale. Alors, on en est où? C'était un coup à me faire démasquer là. Donc il y a quelqu'un là-dedans, c'est lui que j'entends, je pense. Oui. Là. Ok, il joue au basket avec une tête. Tout est normal, on en a vu d'autres. Hein. C'est normal dans un lieu comme celui-là. Je peux jouer moi aussi. Je sais pas si c'est le fait d'entendre des mouches, mais j'ai des démangeaisons, ça me gratte et tout. Je le vis trop intensément ce genre de truc. C'est-à-dire que le jeu est très bien fait. Il est très bien fait, il est extrêmement immersif et... Ah, Alzari, désolé pour le stress, peut-être qu'à force de te faire peur, tu te souviendras de moi. Le Finistère t'attend, félicitations pour ce super setup, merci beaucoup Alzari, mais je me souviens de toi. J'ai déjà vu passer ton pseudo. Oui, je disais, au niveau du son, le jeu te prend aux tripes. Et il peut pas te laisser indifférent. Et les sons, comme le fait d'entendre des mouches... L'environnement, tout ça, ça contribue vraiment à... De toute façon, la musique, le bruit, c'est hyper important. Hyper important. C'est la base. On peut tout faire passer par le son, par la musique. Toutes les émotions. Comme là, on entend un téléphone sonner. Ce qui n'a aucune forme de logique dans cet endroit. En face de nous, la prison. Est-ce qu'il va falloir que j'aille là-dedans? Ça m'embête, hein. On a passé tout un Outlast premier du nom à en sortir. C'est pas pour se foutre en prison. Ok. Ah! Putain! Merci Jloslin de t'être abonné. Merci beaucoup! Voilà, le téléphone qui sonne, c'est ici. Petite pièce avec une chaise, pas grand-chose. Le strict minimum, je ferme la porte, histoire d'être tranquille. Cette pièce est éclairée, on a le courant. Est-ce que je peux téléphoner? Au secours! Venez me chercher! Et j'ai rien à faire ici. Il est 9h15. Il faut que je trouve un endroit où passer... Ça a dû m'échapper. Ça alors. Ah ben là. Eh oh, est-ce que tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Je voudrais rentrer. Non, ça ne marchera pas. Merde, il manque quelque chose. Alors ça... C'est quoi l'histoire là? Alors attendez, je regarde le chat. Il avait marqué donner. Il avait marqué donner. Donner quoi? Attendez. J'ai raté un truc. Là ça s'ouvre pas, on est d'accord. On est bien d'accord. Cette petite pièce ne mène nulle part.
crotte. C'est tellement élégant de dire crotte, ça change. Je vais essayer d'être un peu plus élégant dans mes grossièretés. Ouais, c'est clair que j'ai loupé un truc. J'étais retourné voir les gars qu'on fuit, ça se trouve. Il y avait une interaction à avoir et que j'ai pas eu. Ouais, on voit les traces de sang, regardez. Elles sont là, il faut que je suive le sang. Hein. C'est le jeu. Le jeu veut ça. Vous suivez tout ce qui est rouge. Il faut que je suive le sang. On va essayer de... Ok, il m'a ouvert. J'en profite. C'était juste ça, il fallait que je revienne sur mes pas. Tout simplement. Je vais refermer la porte parce que ce gars, j'aimerais bien qu'il reste là où il est. Qu'il revienne pas sur ses pas. Bonjour, excusez-moi, j'aimerais passer... Non, je ne peux pas. On ne peut pas interagir avec cette porte. Ah non, mais je retourne dehors. J'aurais l'impression de retourner là d'où je viens. Mais je reviens. Je reviens sur mes pas, là. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. On va aller voir par là, quand même. Bonjour. Vous auriez pas une pile pour moi ? En même temps, j'en ai pas trop consommé depuis le début. On y voit, on voit, voilà, on n'a pas une profondeur de champ très grande, mais on y voit à peu près clairement. Alors, nous sommes sur une rambarde en métal, un peu abîmée. Je vais me méfier, ce serait dommage de faire une chute. Mourir en tombant, ce serait con. Après tout ce qu'on a vécu, ce serait quand même vraiment dommage. Ça, est-ce que ça s'ouvre ? Non. Il faudra que je saute. Alors. Oh, t'es Dieu. J'ai vu qu'il apparaissait devant moi. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? T'es un malade. Ah, c'est pas vrai. Oh putain. Salut Gus, content de suivre chaque semaine. Merci de faire ce jeu à notre place. Trop stressant. Merci DJ Pilou. Merci beaucoup. Alors oui, c'est stressant, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. J'ai dû réveiller toute la... Hey, mes enfants, je sais pas comment ils font pour dormir. Je sais pas comment ils font. Ils doivent me détester. Ils m'ont rien dit jusqu'à présent. À aucun moment, ils m'ont dit « Papa, on aimerait que t'arrêtes tes lives le mardi et le jeudi parce qu'on dort plus. » Et ça se trouve, ils dorment plus, tu vois. Ils sont tellement sympas et gentils, mes enfants, que... Ils prennent sur eux. Ils sont dans leur lit, comme ça. Ils ont des grands yeux en se disant « Papa, ça va pas, qu'est-ce qui se passe ?» On entend papa qui hurle. Parce que c'est normal. Mister Nao qui dit, souvenez-vous de cette phrase, mourir en tombant ce serait bête. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est la fin du jeu? Qui se passe comme ça? Je meurs dans une chute? Regarde, il faut prendre l'échelle. Bon, pour le moment, on n'a pas eu affaire encore à Bob. J'entends quelqu'un parler. J'arrive pas à cerner d'où il vient. Je dirais que c'est là-haut. Sans grande conviction. C'est un labyrinthe cet endroit. Ce serait amusant quand même d'essayer de prendre des notes. Quand j'étais petit, je raconte une petite anecdote en passant. Dans certains jeux, je sais plus lesquels. Si, je me souviens, Donjon Master, Chaos Strike Back. Pour ceux qui se souviennent de Donjon Master, un RPG, moi j'y jouais sur Atari à l'époque, bref. On n'avait pas de carte et en fait on dessinait sur des feuilles à carreaux, on dessinait la carte du labyrinthe, du jeu, des niveaux en fait. Et on avait plein de pages comme ça, des niveaux. Pour s'y retrouver, on faisait nos propres cartes comme ça à la main. Ce serait marrant de le faire là pour Outlast. Pas forcément sur une feuille, mais... J'entends quelqu'un, je sais pas quelles vont être ses intentions... I would like to kill him, as would I.
Oh non, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ils veulent me tuer. Je l'ai entendu, il l'a dit. J'aimerais le tuer. Ah! Merci Itinéri. Merci beaucoup de t'être abonné. Itinéris. Itinéri. Et on notait les codes de sauvegarde. Quelle belle époque. Mais exactement. On notait tout. On notait même le nom des jeux sur les disquettes. Parce que les gens les pirataient. Je sais même pas comment. Merci Réaturel. Petite dédicace pour Alain et Johan. Bah, merci Alain et Johan. Bonne soirée à vous. Oui, parce qu'en fait, on arrivait à pirater les jeux, mais je sais même pas comment, parce qu'on n'avait pas internet, je sais même pas comment on arrivait à se les transmettre, quoi. J'avais des potes qui avaient les jeux. Je sais pas comment on arrivait à les faire circuler. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, je suis en train de ramper, hein. J'avance en rampant. Enfin, à quatre pattes. La caméra dans une main, l'autre main posée au sol, le genou à terre, j'évolue. Oh là là, alors que les cuivres rentrent en scène. Pesant et lourd. Ah la vache. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On a des échafaudages. Est-ce que je suis dans l'endroit où ils jouent au basket? Non, je sais pas. On a une porte qui ressemble là. Ah, on est dans la salle de sport en tout cas. Ce monsieur a été étêté en faisant ses tractions. En levant de la fonte. Et il va se passer un truc au bout d'un moment, c'est pas possible. J'évolue dans le brouillard depuis trop longtemps pour que à aucun moment il ne se passe quoi que ce soit. Là je pense que c'est... Mon cœur bat la chamade, vous l'entendez? Je pense que là, on va en prendre plein la tronche. Oui, les tout nus sont de retour! Merci, petite Sarah. Alors. On a les tout nus. Nos deux copains. Avec leurs bites et leurs couteaux, y a pas de... Là franchement l'expression leur va comme un gant. Je pense qu'ils m'ont repéré. Je le lis dans leur regard. Mais ils n'ont pas attaqué. Quel comportement dois-je adopter? S'il vous plaît, vous me le dites. Moi je fais ce que vous voulez, hein. Là dans le corps je ne sais pas. Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je reparle en direction tranquillement? Tout doucement, un peu comme quand on rencontre un lion dans la savane, tu sais. Faut pas bouger, faut y aller cool. Ou est-ce que je dois partir en courant? Merci Bix, bien joué le setup. Allez continue, le pire reste à venir, ton pire cauchemar. Un ami qui te veut du bien. Merci Blinks. Faire le mort. Ok, comment je fais le mort? Déjà je vais tenter une reculade. Petite reculade, bonjour les amis. On a une porte à gauche, hein. Je l'ai vu. Si je retourne le dos, est-ce que vous croyez qu'ils vont en profiter pour m'attaquer? Tu leur fais un bisou baveux, téléphone à Jésus. Une porte sur la gauche, le dominant, va leur serrer la main. En sachant que sur la fin du premier épisode, ils étaient moins méchants. Ils bougent! J'ai pris la porte. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont pas attaqué. Tout cul tendu mérite son dû. Non mais arrêtez. Arrêtez! Mister No Way, merci beaucoup. Ah, il a essayé de se détacher. Il y est arrivé, mais je crois que ça l'a tué. J'entends trop de bruit bizarre, hein. Trop de courses, trop de trucs. Oh putain, l'enfoiré! Il veut jouer au ballon? Ça? Tu veux jouer au ballon, c'est ça? Non, non. Ah, il me tape!
Il y a un tout nu là. Ah. Ok, d'accord. Ok. J'ai compris. Merci Kagal. Kagali Winner. Ambiance de dingue. Hop, j'en ai rien à foutre. Cours, dépêche-toi. Merci Itineris, il faut bien prononcer le S de mon pseudo Itineris. Sinon après Jerry Bobby, je vous propose Larry. Merci. Est-ce qu'il grimpe aux échelles, c'est con. Pardon. Je les insulte. Ah, j'ai réussi à passer. J'ai au culot. Au culot total. On entend grincer quelque chose. Ah, faut que je rentre, on a un dossier. Je sais pas ce que j'entends grincer comme ça. C'est insupportable. Porte ouverte de l'autre côté, on va aller voir. Mais qu'est-ce qui grince comme ça? Dossier confidentiel. Projet Wallrider, on connaît l'histoire. Le délire Wallrider, ok. Est-ce que j'ai des notes perso? Le jeu est ainsi fait. Il y a une preuve mathématique. Si vous ajoutez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 et ainsi de suite jusqu'à l'infini, vous pouvez arriver à une réponse. Si vous vous arrêtez peu avant l'infini, vous aurez un nombre incroyablement grand. Long. Si vous allez jusqu'à l'infini, vous arrivez à moins 1 douzième. Une répétition de 0,08333333 négatif, je perds prise. Je pense au trajet jusqu'ici 400 miles dans un camion de location. Le boulot qui se pointe juste à temps pour couvrir nos factures, nos dettes, l'assurance. Les garçons dormant à l'arrière. Rien d'autre que Radio AM, du gospel, de la country, des débats parano en fin de nuit. On chantait des chansons de Patsy Cline et on riait des conspirations d'extraterrestres et de fantômes. Les bornes de kilométrage défilaient dans la lumière des phares. Je ne veux pas mourir ici. Tu ne vas pas mourir, je suis là. C'est rassurant. Gus va s'occuper de toi. On va y arriver. Non, je sais pas s'il est bien tombé avec moi. Mais pour le moment, ça se passe pas trop mal. Shut up. On me demande de me taire. Je parle trop. Ouf. Oh putain d'enfoiré de ça. Oh là là. Oh, débrouille-toi, chacun, on a tous besoin d'aide, c'est chacun pour sa gueule, c'est Outlast, merde. Chacun pour sa gueule. Porte. Un bureau. Toki. Rien de particulier ici. Une échelle qui permettrait de monter. Cette porte ne s'ouvre pas. J'ai l'impression quand même de jouer dans un jeu très couloir pour le moment. Dark Céline, putain, il me fait flipper. Ah ouais, putain, moi aussi. Carrément. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Ok, on va s'approcher très doucement. Et s'il se retourne, il va faire « Qu'est-ce que tu fous par terre, mec ?» À quatre pattes. Tu préfères un mauvais coup. Franchement, s'il me voit pas, c'est que... Je passe. Je m'en fous, je passe. Il me voit pas. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Rien de particulier dans cette autre pièce. Ah oui, ils sont poursuivis par le Wallrider. Le Wallrider fait un massacre. Les ombres à gauche laissent présager du pire. Je vais pas trop perdre de temps.
Ok, non, on va pas aller par là. Ils sont en train de vouloir défoncer la porte. Oui. Tout le monde se planque. Tout le monde se planque, tout le monde se planque, alors qu'une alarme se met à retentir. Juste histoire de me stresser un peu plus. On allume l'infrarouge. Je vérifie que je suis bien seul dans cet endroit. A priori, oui. Sur ces écrans, rien. C'est longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans le noir comme ça avec la lumière infrarouge. Ah. La radio. Yes, on y est. Non. Ouh, l'enfoiré. Mais pourquoi tu fais ça, pauvre con? Oh, l'enfoiré. Ah, le salaud. Oh, putain. Pourquoi je peux pas me battre, quoi? Wayland Park, vous ne pourriez pas, vous ne pourriez pas juste la fermer. Vous ne pourriez pas juste jouer le jeu. Vous en avez fini de parler, maintenant. Il m'étrangle, l'enfoiré. Qu'est-ce que c'est? Faites-moi le plaisir de crever ici, Park. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Oh non! Oh non, j'y crois pas! Jerry est de retour! Jerry is back! Je suis deg! On s'en débarrasse jamais! On se débarrasse jamais! Jamais de lui! Ah! Cette vilaine impression de déjà-vu. Est-ce que je peux voir sur les écrans ce qui se passe ailleurs? Je me demande s'il va rentrer là où je me trouve. Pas passer par là? Non, faut que j'ouvre la porte. Je pensais pouvoir sauter par la fenêtre. Je me faufile. Ferme la porte! Il veut pas. Tant pis, je cours. J'espère qu'il est pas là. Oh, le stress. Je vais par là. On va quand même regarder la porte qui est ici. Ça s'ouvre pas, je m'en doutais. Je perds pas de temps. Chut. Non. Il est là! Il est là! Allez, cours! Putain! Pourquoi j'ai rechargé? J'ai paniqué. Ah, il va me trouver. Je suis con, j'ai laissé la porte ouverte en plus. Ah, mais quelle andouille! J'ai laissé la porte ouverte. Il rentre. Vite, de l'eau bénite, un pulvérisateur, s'il vous plaît. Non, je déconne. J'arrête avec ça. Ah, mon dieu. Ça se trouve, il m'avait pas repéré, j'ai paniqué. Je voudrais ne pas le rater s'il repasse. On y va. Non, il est là, mais quel con!
On en a vu d'autres. Bon, ok, ça fait longtemps. Ah, il est juste là. Quel enfoiré. J'ai déconné. Il était devant moi. J'étais convaincu qu'il était... En fait, j'étais... Alors, soit ils sont deux, soit... J'étais convaincu qu'il était dans la pièce que je venais de quitter. Mais sûr, absolument sûr. Là il y est, là il y est, là il est dans la pièce. Mais je pensais qu'il était dans la pièce, j'étais très surpris de le trouver face à moi. Ce qui est insupportable, c'est cette alarme. Déconne pas. Voilà, là il est passé. Donc on va essayer de le suivre. Allez, on va le faire. On s'en fout. Il faudrait pas que j'aille tout droit. Non, c'est d'où j'arrive. Ah bah si, il faut que j'aille tout droit. Prends ton temps. Est-ce qu'il est parti droit devant ? Je pense. Putain de bordel! Comment il fait ça? Alors elle s'ouvre ou pas cette porte? Non, évidemment, tourne-toi et cours! Putain! Lâche-moi! 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 Ah, il passe les portes! Il passe maintenant ce genre de truc, c'est pas possible! Une cachette, une cachette. Dépêche-toi. Ça va pas s'ouvrir. Ah, tu peux passer là? Oui, tu peux passer, tu peux passer. Yes. Évacuation d'urgence. Oui, évacuez-moi d'urgence, s'il vous plaît. Nouvel objectif, sortez par le bloc administratif. Ça me va. On n'en a pas fini avec Jerry, c'est sûr. On va se faire un petit combo, ça se trouve, Jerry Bobby. J'en peux plus. Ah, ça m'a mis les poils, ça m'a mis le stress, mais c'était bon. Allez, on reprend nos esprits. Alors là, on a un gars qui est en train d'écrire un message sur le mur. Ok. La porte s'ouvre, très bien. J'arrive. Je viens après. Je vais d'abord fouiller cet endroit. Des toilettes. Il n'y a pas une pile par là? Pas de pile. Oh, regardez! Tous nos amis sont de retour! Mais c'est fête aujourd'hui! Morgan est là! C'est du délire! C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je voulais regarder mes notes. J'ai noté quelque chose. À plat, abattu, déprimé. Quelqu'un qui ressemble autant à un prêtre que cet endroit ressemble à un asile. Inscrivant ses instructions sur le mur, parlant de Dieu, il me dit de ne pas avoir peur. Comment ai-je pu faire partie de ce putain de génocide dû à une avidité inhumaine? Les monstres que Murkoff a créés à partir d'esprits torturés, le tout protégé par sa clique de minables musclés et suréduqués, leurs propres hommes massacrés, je n'ai jamais prié de ma vie, Lisa. Mais si une petite divinité interventionniste quelconque est à l'écoute, tuez Jeremy Blair avant que je ne meure, esprit vif et avarice, il n'y a aucune souffrance qui ne mérite. Il n'y a pas de radio, aucun espoir de contact avec le monde extérieur, juste s'échapper. Alors, il écrit quoi, le monsieur? Je sais pas. On a un trou, je pense qu'on va s'insérer à l'intérieur. Bon, ça crie trop. Je reviendrai quand vous aurez fini de gueuler, ça me fait peur. Exit. Non, je suis gentil. Non, faites pas ça, merde!
Non, ouvrez-moi, revenez. Ah, la sortie. Ah. Pourquoi? Attendez, je repère les lieux. Je repère les lieux parce que je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir que je cours. Je me cache. Je suis en nage, les amis, vous pouvez pas imaginer. Je me fais des suées, c'est terrible. Donc, a priori, on pourrait aller par là aussi. Ah, c'est chiant, c'est grand là. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Fuck you, toi. Fuck you, toi-même. Ok, pas content, monsieur. On va pas s'éterniser, hein. C'est très désagréable de les entendre hurler comme ça. Là, on a des casiers quand même qui pourraient servir éventuellement de cachette. Vous pouvez pas la fermer, s'il vous plaît, vous êtes insupportable. Je recharge ma caméra. Ascenseur qui ne fonctionnera pas. Je me tourne pas, je cours, je sais pas du tout qui est derrière. Enfin si, je sais qui est derrière moi, c'est l'autre taré. Et je m'en fous, je cours. À perdre haleine. J'ai même pas vu ce qui me courait derrière. Normalement, en appuyant sur une touche, on peut se retourner. J'ai pas cherché. La sauvegarde est faite. Vous savez quoi? Je vois qu'il est 22h34. Je sais qu'on a commencé le live tard. J'ai commencé assez tard. J'ai papoté longtemps. Ça fait moins d'une heure que je joue, là. J'ai l'impression que ça fait 3 heures. Ça fait moins d'une heure que je joue. J'ai l'impression que ça fait 3 heures. Je suis exténué. C'est pas la musique de Jerry? Si. Non? Ah, je sais pas. Je sais pas. Vous mettez le doute. Je suis dehors, là. Ah! Putain. Bouh, Monsieur Monster, merci beaucoup. Ah, putain, ça a très bien fait. Je vais pas tenir longtemps ce soir. Je joue encore, allez, une demi-heure et j'arrête. Hein. Là, je vous jure, je suis défoncé de fatigue. Ah, ça m'a tué. On a peut-être moyen de passer par là. On va venir. On va regarder tout de suite. Effectivement. On a un dossier juste ici. Je ramasse pour la collecte. Nous sommes dans... Heureusement que la porte est fermée, barricadée. Ok, on a un comité d'accueil à l'extérieur et maintenant je me retrouve dans cet établi. Comment je fais? Je sais. Je fais peut-être une bêtise. Mon projet, c'est de le faire entrer. Et de ressortir par la fenêtre. Ça servira peut-être à rien. Ouh. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Hein. Mais pourquoi il marche pas l'infrarouge ? Ah oui, je suis en zoom. Il est de piètre qualité. On voit. C'est quoi le délire ça? C'est le vent, non? C'est le vent dans les arbres? C'est quoi que j'entends? Oui, il y a du vent, il y a du vent. C'est le vent, c'est le vent. C'est le vent.
Ça vous arrive hein, pour de vrai quand vous êtes de nuit dans un endroit extérieur, à l'extérieur, tout d'un coup vous avez des petites courants d'air. Les arbres se mettent à bouger. Ah ambiance de dingue ce soir avec Gus au top. Merci Kagal. Kagali winner. Oh la vache. Je vais par là pour le moment. Je sais qu'il y a de la lumière de ce côté, mais. Je veux vraiment regarder partout. On a une porte là. Ça s'ouvre bel et bien. On va quand même aller voir là-bas. Par curiosité. Bou bou bou, désolé Gus, je t'aime. Monsieur Monster 83. Ah le fou, vous êtes fou. Ah l'ambiance. J'entends parler, je vois pas la personne. Bon peu importe, allez, cassos. Cassos, cassos, cassos. Encore des mouches. Ah, de l'eau, des mouches. Des égouts. Ah non, pas les égouts, pas encore. Ça m'a saoulé. J'ai pas aimé les égouts. Les égouts, j'aime pas. Les égouts, ça pue. J'aime pas les égouts. Oh, ça ressemble à une église devant là, non? On dirait une entrée un porche d'église. Oh, j'ai pas trop envie là d'avoir, j'sais pas, une immolation, un truc. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire? Une crucifixion. Attention, prudence. Pourquoi est-ce qu'on a des éclairs là? Ah là 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 là! À mon avis, ça veut dire que la... Que c'est électrisé, électrifié. Il y a quelqu'un derrière moi, c'est pas possible. J'entends clairement parler. Non, je l'ai rêvé. J'entends des voix. Depuis tout à l'heure, j'entends des voix. Je peux éventuellement partir par là. On va quand même regarder ce qu'il y a ici. Faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas de l'eau sur le sol. Ah ouais, d'accord. Tout est électrifié. Ouh! Ok, je m'en vais. Je m'en vais. On va quand même regarder là. Un dossier. Ce n'est pas une entrée d'église, je pense pas. Ah. Pardon Gus, mais c'est trop bon. Vous êtes salaud. Vous ruinez pas non plus, hein. Merci Alzari. Attendez, j'ai vu quelqu'un. Ah non, c'est mon ombre. C'est mon ombre, ça. Non, c'est quoi? Vous l'avez vu passer? Vous avez vu passer? Ou c'était mon ombre? Mon ombre de quoi d'ailleurs? Pourquoi j'aurais une ombre? J'ai vu passer quelqu'un là. Bon allez. Ah! Mister Freeze, merci beaucoup. Merci de t'être abonné. C'est très gentil. Alors, on va rester concentré sur la suite. L'objectif, j'ai d'ailleurs oublié ce que c'était. Non, j'ai ouvert les succès, c'est ça que je veux voir. Objectif, sortez par le bloc administratif. Ok. J'avais oublié. Ah ah, porte par là. Comment aller voir ici? Pile. J'ai bien fait. Et on redescend. Et on s'engouffre à nouveau dans le bâtiment. Ah, c'est lourd. Hein. C'est lourd dans le sens pesant. Ok, je me casse. Je reviens dans 2 secondes, j'attends que ça se passe. Arrête de dire des horreurs, Lexillumina, mais enfin bon. Qu'est-ce que tu dis sur le chat? C'est pas beau! J'ai la panique de Gus, pourquoi j'aurais une ombre? Bah oui, parce qu'il n'y a pas. Pour que j'ai une ombre, faut qu'il y ait quelque chose qui projette mon ombre. Or, rien ne projette mon ombre. K
Calmez-vous, les gars. Ah, ouf. Alors, âme sensible, ça, je sais pas ce qu'il fait. Apparemment, il est en train de se faire plaisir. C'est glauque, là. Hein. Ça, on n'avait pas eu droit encore. On n'avait pas encore eu droit à ça. Comme quoi, bah, excuse-moi, tu n'étais pas très loin de la vérité. Toi, tout à l'heure, qui parlais de cul. On n'en est pas loin. Allez, on va couper le courant. C'était trop facile, cette coupure de courant. Ok, bon. Casse-toi. Traîne pas. Il doit falloir que je revienne sur mes pas. Et que je m'approche. C'était par là, il me semble. Qui a rigolé comme ça? J'ai entendu rire. Ah là là. Oh là là, c'est pas le moment. Shunisama, Shunrusama, I see you. Merci de me regarder. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le jus si je touche à ça, là. C'est pas éteint. Ils l'ont rallumé, c'est pas possible. Je retourne voir. Ils ont quand même pas remis le courant. Oh là là, Snorky Twitch, on peut remettre le passage du mec dans sa cage, sinon, courage. Merci. Alors, la nouveauté, c'est qu'il n'y avait pas ça tout à l'heure. Il n'y avait pas le sang par terre. Et effectivement, ça a été remonté. Oh, foiré, casse-toi. Faut que je regarde s'il me suit. Oui. Cherche pas, casse-toi. C'est à droite, il me semble. Et encore à droite. Tout droit. Cours. Je me trompe là, non? Je sais plus. C'est pas par là. Je veux pas. Non, tu me laisses tranquille! Pousse-toi! Ah, salaud! Il s'en prend à moi comme ça. Mince. Ah, salaud. Comment je peux m'en débarrasser? Je ne peux pas. Il me défonce. Je sais pas où je vais. Je voudrais l'électriser. Ce serait énorme. Si j'arrive à faire ça, j'y crois pas, hein, mais on tente. Je peux pas remonter le truc. Zut. Laisse-moi tranquille, enfoiré. Ah ok, il veut pas. Ok, j'ai compris. Je sais pas trop quoi faire avec lui aux trousses comme ça, c'est pénible. On va y arriver. Il me laisse pas le temps de fermer, hein. Est-ce qu'il ouvre la porte? Oui! Sans l'eau! Il ouvre. Je peux pas passer par là. Là. Yes. Allez, cours. Fuck. Je crois qu'il a lâché l'affaire. Pardon, je sais pas ce que je raconte dans ces moments-là. Hein. J'espère que je suis cohérent. Lexia Lumina, faudrait que tu... C'est un petit peu trop osé ce que tu racontes là. Je voudrais électriser. Oui, j'aurais voulu l'enfermer là-dedans, remettre le courant qui s'approche de la grille et qui crève quoi. Bon, ça n'a pas marché. Donc là, on est dans un cul-de-sac et en face, on a l'autre. Bon, allez, on va voir. Apparemment, il a abandonné. Au cas où. Est-ce que je peux le voir là?
Il a abandonné. Il a abandonné un peu facilement quand même. Quoi? Bon, allez, je cours. Je sais pas ce qui se passe, je cours. Allez, ouvre. Et là, je me tourne et c'est l'horreur. Non, c'est bon. Il y a des moments, il vaut mieux courir et pas regarder derrière soi. Je pense que c'est préférable. Je regarde un peu ce qui peut se cacher dans la pièce. Ma caméra fait un bruit chelou. Très très bizarre. Donc en fait on va devoir descendre dans cette fosse remplie de boue et d'eau. Bon bah allons-y. Les égouts, on va se les faire, c'est sûr. On va avoir droit aux égouts. Je vais changer la pile tout de suite. Ah oui. Ok. C'est-à-dire qu'en gros là si je fais ça. Ah non je peux pas. J'allais dire si je me mets à quatre pattes, je suis sous l'eau, mais je peux pas. Cours, sors de là. Je peux pas sortir. C'est dans l'eau. Il y a quelque chose avec moi dans l'eau là, c'est sûr. J'y vais. Ça me rappelle un Beyond Minecraft. Une pile. C'est juste quelque chose qui est tombé dans l'eau, quelqu'un ou quelque chose a jeté quelque chose dans l'eau. Tout simplement, c'était effrayant. Effrayant. Moi j'ai la peur du requin, hein. Même dans une rivière. Donc, est-ce que j'ai été traumatisé par les dents de la mer. Allez, encore 10 minutes, moi j'arrête après. Hein. Donc là, a priori, on peut aller là. C'est ce qu'on va faire. Mais je vais quand même regarder par ici. M'assurer que... Oh, pile. Ça s'est fermé. Là aussi, ok. J'espère que vous, ça va. Ah, cri sympathique. Non ! Qu'est-ce que c'est? Je vais avoir besoin d'un massage. Mais clairement. Hein. J'ai peur du requin même dans une rivière. Et vous savez ce que je me disais? Salut. Ah, salut Gus, tu m'as l'air de bien t'habituer au stress de ce jeu. Moyen. Merci Joël. En fait, je me dis, les lives c'est fun. Et c'est très bien de les remettre en rediff, mais je pense qu'il y aurait moyen de faire des vidéos très intéressantes avec juste les meilleurs moments des lives et les plus grosses absurdités que je balance. Comme l'histoire du requin. Ce serait hyper marrant de mettre... Et il faudrait que je sais pas si je peux trouver le temps, moi, de revoir les lives et d'en faire un... Par exemple, il faudrait prendre tout le live de Resident Evil et en faire une vidéo avec tous les meilleurs moments. Tout Outlast avec tous les meilleurs moments. Ce serait juste énorme. Je lance un appel, d'ailleurs, si quelqu'un se sentirait de le faire... Et de m'envoyer la vidéo pour que je la mette ensuite sur ma chaîne. Je suis preneur. Parce que je pense pas avoir, moi, personnellement, le temps de le faire. Mais si quelqu'un s'en sent le courage et pense avoir le talent pour, bah l'appel est lancé, tiens. Allez, c'est parti. Je continue. Je pense franchement que ça pourrait être fun. Hein. Alors, merci, monsieur monstre. Je suis ton kiné. Ben voilà, j'allais faire un deuxième appel. Si quelqu'un a envie de venir chez moi pendant les lives pour me faire un massage, je suis preneur, évidemment, là aussi. En fait, il faut que je change absolument de fauteuil. Je me rends compte que je me fais mal au dos. Je suis pas du tout adapté. Enfin, c'est pas du tout adapté pour du gaming, en fait. Il faudrait que je puisse surélever mes... Comme les fauteuils gamers, en fait, on peut surélever les accoudoirs de façon à avoir les bras qui reposent dessus. Et c'est ce qui me manque, là, clairement.
Monsieur est tombé de là-haut. Donc s'il est tombé, c'est qu'il n'y est pas seul. Moi, si tu veux, Gus. À toi, pourquoi? Pour le massage ou pour le montage? Ou les deux? Non, pour le massage, je déconne, évidemment. Pour le montage, faut passer un casting, quand même. J'aimerais bien le Sage Gamer de Sifano. Ah, c'était juste, hein. J'ai un peu sauté comme une merde. J'ai oublié de courir avant. J'y suis allé comme ça. Je sais pas pourquoi je monte. Je pense pas trouver la sortie. Et je pense pas... La mission, c'est ne sortez par le bloc administratif. J'ai de gros doutes, sincèrement, que le bloc administratif se trouve en haut de cette tour. À mon avis, je sais pas pourquoi je suis là, mais je ne suis pas vraiment dans la bonne direction. Ah, j'ai raté l'échelle. Allez-y, grimpe. Hein. Alors là, on repense à tout à l'heure quand j'ai dit mourir dans une chute. Que quelqu'un a dit dans le chat, souvenez-vous de la phrase de Gus, mourir. Et là, on vient de voir quelqu'un tomber de la tour et moi, je monte en haut de la tour. Est-ce que c'est le moment de la chute? Ça me paraîtrait un peu tôt. Un peu tôt pour crever. Mais qui sait, peut-être que là les choses vont s'accélérer, ce serait dingue. Je sais pas pourquoi, j'espère quoi, qu'un avion vienne me chercher. Qu'est-ce que je fous? On t'a dit le centre administratif. Qu'est-ce que je fous là? Alors déjà là je vais pas y aller. Alors là on a une vue comme jamais sur la prison je pense. Là-bas, les montagnes. Ah, le point de vue est étonnant. Non, c'est abusé. Ah, ils sont sérieux? Ok, ça doit être jouable hein, s'ils le proposent. On va prendre un peu d'élan. Allez, on y croit. Vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. Vers l'infini et l'au-delà. Allez, non, 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 non. Ah oui, c'est haut. Faut monter là, faut monter, faut monter, faut monter, faut monter. Oh, la chute. La chute, j'avais réussi le saut, je suis deg. Ah, il y a quelques côtes brisées là. Là, il y a quelques côtes brisées. C'est l'évasion de du désespoir. C'est l'évasion du désespoir. Sauvegarde. J'entends des voix féminines. Un paquet d'orbes, hein. Je sais pas si vous avez vu. Regardez. Ça vole dans tous les sens. J'ai entendu des voix féminines. Nouvelle zone de jeu, après cette chute incroyable depuis le haut de la tour. Écoutez, je crois que pour ce soir, on va en rester là. Nous avons une magnifique sauvegarde. Je pense que c'est le bon moment de se dire bonne nuit. Je crois. Je vais sauvegarder. Et quitter là comme ça maintenant, je pense que c'est préférable. Il est tard. Le jeu m'a bien tordu, m'a bien vrillé. Je pense que je vais en rester là pour ce soir. Alors attendez. Je vais vous dire bonne nuit. En espérant que ça vous a plu, mais j'ai cru comprendre que oui. Bonjour, je suis Dimitri, j'ai 32 ans. J'étais reporter dans l'enseigne de Murkoff. Je suis tombé de 4e étage, je me suis cassé 4 côtes et une cheville. Faut que je commence ta playlist de Outlast. Arrête-toi là au pire, car après c'est horrible. Je m'arrête là, on garde l'horrible pour mardi prochain. Et je vous souhaite un très bon week-end, ça approche. Je le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours, je ne serai pas every weekend. Finalement, Minecraft c'est en cours de modding, c'est un peu plus long que prévu. Capture Dead Forms, j'espère le sortir.
pas ce week-end, mais le week-end prochain. Je dois bosser encore quelques jours. Et normalement, on est bon. On se retrouve mardi prochain pour la suite. C'était vraiment fun. Oui, nickel. C'était court ce soir, le live sur Outlast. C'était une bonne heure. Mais une heure intense. Moi, j'ai l'impression d'avoir joué 2 heures. J'ai tout donné, là. Hein, sincèrement. Ravi de vous avoir retrouvé ce soir. Vous m'avez manqué mardi dernier. Je vous embrasse. Merci à Sorcy qui était là, je crois. Et Light aussi, évidemment. Jeudi qui est passé. Merci à tous. Pizzara, Snorky, Alzari. Merci pour vos dons, évidemment. C'est très important pour moi, hein, ça fait partie de mes revenus finalement, je ne le cache pas. Merci pour vos abonnements de la même façon, ça participe aussi à la pérennité de ma présence sur les lives et la continuité de Capture Dead Forms. Sur Capture Dead Forms, j'en ai pas parlé, j'ai un projet, je vous le livre comme ça. Vous savez que l'épisode sert toujours en location, pré-vente, location achat, pré-vente. C'est en gros du financement participatif, il faut le voir comme ça. Il sortira donc de la même manière cette fois-ci aussi, avec une semaine plus tard la gratuité sur YouTube. J'ai en projet de faire des t-shirts avec le logo, vous savez, GusDX, avec le petit fantôme qui est en fait une tête de mort, mais voilà. Et je pense offrir, faire un tirage au sort sur toutes les personnes qui ont acheté ou loué l'épisode, tirage au sort des adresses mail, et faire gagner 3 t-shirts ou 4 ou 5 à 5 personnes, voilà. Je essaierai de faire des choses comme ça à chaque épisode pour un petit plus. Je peux pas offrir des t-shirts à tout le monde, évidemment, donc je pense faire ça de cette façon-là. Donc pour ceux qui le loueront, sachez qu'a priori, il y aura cette petite possibilité de gagner quelque chose. J'ai plein d'idées, j'ai peut-être même envie de faire gagner des trucs qui auront servi aux épisodes. Je vais vous montrer un truc, tiens, bougez pas. Je vous en parle parce que je veux votre avis sur cette idée-là. Alors les t-shirts, je pense en faire et peut-être en vendre aussi. C'est pas forcément pour gagner de l'argent parce que la marge entre la fabrication plus l'envoi, je vais pas les mettre à 25 euros. Je ferai peut-être une marge de 1 euro ou 2, je sais pas trop. Faut que je réfléchisse. J'ai encore rien fait. Donc voilà pour les t-shirts, mais aussi pourquoi pas faire gagner ce genre de truc. Je sais pas si vous reconnaissez ce panneau. Je pourrais très bien, derrière par exemple, mettre un petit môle dédicacé et faire un tirage au sort sur la sortie d'un épisode et l'offrir. Voilà, c'est le panneau de location avec un numéro bidon évidemment, mais que j'ai fait faire spécialement pour l'épisode 1 de Capture Dead Forms. C'est moche, hein, mais il a une histoire, il est unique. Voilà, pourquoi pas des goodies comme ça, des choses comme ça à faire... pour remercier, malheureusement de manière aléatoire, hein, ce sera au hasard, les personnes qui participent au financement de Capture Dead Forms, c'est de mon travail. Bah, si vous trouvez que l'idée est bonne, bah, écoutez, je vais me lancer, je vais faire ça. Donc de toute façon, j'en reparlerai dans le trailer, je ferai peut-être une vidéo trailer d'annonce de Capture Dead Forms, où j'expliquerai le système de location-vente et la possibilité de gagner, pourquoi pas ça. Et des t-shirts. Je vais y réfléchir. Je vous tiens au courant là-dessus. Merci à tous. Je pourrais faire gagner aussi. Vous savez, à un moment, il y a un crucifix qui tombe dans l'épisode 1. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça pourrait être pas mal. Alors, Spartan Fred qui dit « Ça fait plusieurs soirs que j'enregistre déjà des petits clips de tes frayeurs. Je verrai si on fait un petit montage pour le fun. » Ouais, pourquoi pas. Alors, après, pas forcément que les frayeurs, parce que bout à bout, ça peut être un peu pénible. Les meilleurs, ça peut être intéressant, mais plus belles, mais plus beaux sursauts. Mais c'est surtout, je sais pas, les petites phrases, les situations, les anecdotes assez marrantes. J'avoue que je me suis permis de regarder un de mes lives. Je déteste me voir en vidéo, je déteste me regarder en train de faire un live. Et récemment, tout en travaillant sur Minecraft, j'ai mis le live en fond, et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était marrant. Je comprends pourquoi vous êtes là. J'avoue, ça peut être très rigolo à regarder et à suivre. Sur ce, je vous embrasse. A très bientôt et très très bonne soirée à tous. On se retrouve... Comptes-tu venir au printemps de Bourges par hasard? Non, j'ai pas prévu ça. Je veux gagner ton pangolin. C'est pas un pangolin, c'est un pogona. Et il n'est pas à vendre, il n'est pas à gagner. Oui, les gaffes aussi, enfin tous les meilleurs moments. Je veux le crucifix. Voilà, il y a pas mal d'objets comme ça que je pourrais éventuellement faire gagner dans les locations. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne nuit à nouveau. A très bientôt, ciao!
C'est encore moi. Pas de BGF cette année, pas de Bordeaux. Le BGF, c'est le Bordeaux Geek Festival. Je n'ai pas de nouvelles du Bordeaux Geek Festival. Ils ne m'ont pas contacté. Je suis invité chaque année. Enfin, j'étais invité les deux années précédentes. Je crois, dans mon souvenir, qu'ils t'invitent. Enfin, moi, ils m'avaient proposé de venir au dernier moment. Un mois avant. Peut-être que c'est ce qui va se passer là encore. Il est possible aussi qu'ils ne m'invitent pas et c'est tout à fait possible. Ça fait déjà 2 ans que j'y suis. Il se peut aussi que, vu ce qui s'est passé avec Chasseurs de Fantômes, ils aient plus envie de me voir là. C'est possible aussi, c'est tout à fait compréhensible aussi. Donc j'ai pas de nouvelles, mais s'ils m'invitent, j'y serai évidemment très volontiers. Voilà. À bientôt, ciao. Et j'arrête de lire le chat, sinon je vais revenir toutes les 5 minutes. Allez, je vous embrasse. Passez une bonne nuit.